que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que comme vous l'avez vu, c'est une vidéo haul. Et pas n'importe quel haul, ce haul est en partenariat avec Romwe. Donc il y a vraiment plein de pièces super sympas que je vais vous présenter juste après. Mais avant tout, j'ai une petite pépite à vous présenter. Et cette pépite s'appelle Who We Are. Donc c'est une marque de bijoux française et absolument trop kiki. Mais alors, trop kiki. J'ai eu la chance de recevoir deux paires de boucles d'oreilles de leur part. Donc vous avez les classiques que j'ai juste ici. Et ensuite vous avez la boucle d'oreille fidèle qui se trouve juste là. Donc c'est une petite croix argentée qui est juste trop mignonne. Et en plus de faire des bijoux adorables, il s'agit d'une marque éco-responsable et aussi engagée. C'est-à-dire que lors de votre paiement sur le site, il y aura 50 centimes qui vont être reversés à une association. Et ce que je trouve vraiment super cool, c'est qu'ils vous laissent le choix en fait entre trois associations différentes. Donc vous pouvez choisir de donner vos 50 centimes à la Ligue contre le cancer, à la SPA ou encore à Envol Vert. Donc voilà, si vous voulez gâter vos proches tout en faisant une belle action, je vous mets le lien du site en barre d'infos, ainsi que mon petit code promo qui vous donnera moins 15% de réduc sur les bijoux. Petit aparté étant terminé, on va passer au haul parce que j'ai juste trop hâte de vous montrer les pièces. Pièce numéro 1, c'est un petit col roulé blanc parce que je n'avais pas de col roulé blanc et je trouve que les cols roulés blancs sont juste super efficaces en dessous d'une petite chemise ou en dessous d'un petit pull. Donc voilà, il se présente comme ça. Il est crop top, bien sûr. Et j'aime beaucoup ces petits détails sur les manches. Il est un petit peu ondulé. Je pensais pas qu'il serait aussi épais. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est vraiment un col roulé doublé, j'ai l'impression. Je l'ai pris en M. Je vous mettrai toutes les tailles et les prix et les liens et tout ce qui suit en barre d'infos. Franchement, j'ai bien fait de le prendre en M. Parce que c'est limite, c'est vraiment limite. J'adore le col roulé qui est super épais. Et là-dessous, j'ai une brassière noire. Et il n'est pas si transparent que ça. On voit un petit peu, mais j'ai vu pire en matière de transparence pour des cols roulés blancs. De toute façon, lui, son but, ce sera d'être sous des chemises ou sous des pulls. Donc même s'il est un petit peu transparent, franchement, c'est pas grave. Alors lui, pépite. J'étais trop choquée de la matière. Donc vous n'allez pas le voir bien sûr à l'écran, mais il est super doux. Je vous jure que ce pull est d'une douceur incroyable. Voilà, donc celui-là aussi c'est du M et bah pas de surprise, hein, marron, parce que j'adore le marron. Alors c'est officiellement ma pièce préférée de ce haul. Il est juste méga agréable. En plus, il a les manches qui retombent sur mes mains. Vous savez que c'est tout ce que j'aime. Bon, mon pantalon ne va absolument pas avec, hein, on est d'accord. Mais il est vraiment super cool. Un petit peu loose en bas. Franchement, il est trop mignon en plus. Il est marron. Que demander de plus, quoi. Alors, pour continuer dans les tons marron, voici une petite robe. Donc c'est une robe assez longue quand même, elle est côtelée et elle se resserre en fait sur les deux côtés. Bon par contre c'est pas une matière très chaude, c'est une matière, matière t-shirt quoi. Bon, pour l'hiver ça va peut-être pas être dingue, mais je pense que pour l'automne, printemps-automne, ça peut être pas mal. Et je l'ai prise aussi en taille M, en fait je crois que j'ai tout pris en taille M mais ça me paraît bizarre. Bon. Ce que j'aime bien avec Romwe, contrairement à Shein, c'est qu'ils font plein de petites collabs en fait avec des dessins animés que j'adore par exemple. Ne mentez pas, il est trop mignon. C'est un pull Garfield. Il n'est pas trop adorable dessus. Celui-là avec Garfield, il était trop adorable. Pour un pull du dimanche, franchement, trop mignon. Après, il n'est pas super chaud non plus. C'est une matière sweet assez légère. Je suis désolée mais il rend beaucoup trop bien en plus. Il est trop mignon. Franchement il est top. Par contre si vous voulez qu'il taille un petit peu plus oversize, prenez deux tailles au dessus. Parce que normalement je fais du S. Là c'est du M. Et
Voilà quoi, dès que je lève un peu les bras, ça me fait des manches courtes. N'hésitez vraiment pas à le surtailler si vous voulez que ça vous taille un petit peu plus large. Ensuite, on reste encore dans les sweats. Et j'ai pris ce petit sweat là, vert et gris, avec écrit Alaska dessus. Et pareil, encore une fois, je l'ai pris en M. Donc la matière, c'est exactement la même que pour le pull Garfield. C'est matière sweat, mais assez légère, quoi. Donc à mettre avec quelque chose en dessous l'hiver, bien évidemment. Bon, voilà, comme je l'ai dit, effectivement, il est super léger, mais il est aussi super agréable à porter. Moi, j'aime bien laisser ces petits cols ouverts. Je trouve que ça fait super mignon. Puis franchement, pour un pull du dimanche, il n'y a rien à redire. Ensuite, alors celui-là, j'ai été super, super surprise. Dans le sens où il est absolument incroyable. La qualité est dingue. Pourtant, c'est du rhum, oui. Enfin, on va pas se mentir, c'est connu pour avoir une qualité assez minime. Comme Shein, quoi. Mais franchement, le jean est palpable. Donc tout simple, hein, c'est un jean assez, assez large. Donc il est bleu clair, j'en avais un bleu un petit peu plus foncé. Et c'est vrai que je ne porte jamais de bleu, de jean bleu clair. Et là je me suis dit, bah pourquoi pas tester, je le mettrai sûrement peut-être un petit peu plus en printemps qu'en hiver. Parce que c'est vrai qu'en hiver j'aime bien rester dans les tons marron, noir, très sombre. Alors qu'en printemps j'aime bien mettre un petit peu plus de pastel, un petit peu plus de bleu jean. Franchement je suis vraiment agréablement surprise de la qualité de ce jean. Bon, je suis méga cambrée, donc bien sûr, il y a toujours ce petit souci que j'ai avec presque tous les jeans. Donc c'est assez large quand même. Il m'arrive pile poil là où il faut, en pensant que je fais 1m62, 63, je sais pas trop. Au niveau de la longueur, c'est parfait. Bon, après, j'ai un petit peu peur que la fermeture me lâche dans pas très longtemps. Si vous connaissez pas Romwe, pour moi, c'est une qualité qui est quand même vachement similaire à celle de Shein. Le reste des vêtements que j'ai pris, je les ai pris pour mes copines, donc tant pis, hein, elles vont voir cette vidéo. Vous allez vous spoil toute seule, bah c'est pas grave. Ça, j'étais obligée de le prendre à ma copine. Quand je vais le montrer, elle va se reconnaître et ça me fait rire. Il est trop mignon, mais je l'ai pris juste parce que c'était de la collection astrologie et parce que c'était scorpion, voilà, c'est tout. Mais en plus de ça, il est vraiment mignon. Il rend vraiment très, très fluo, j'ai l'impression, à la caméra, alors que pas du tout, c'est un violet assez pastel, trop trop beau. Voilà, c'est pas trop son style, mais j'ai vu scorpion, j'ai pris. Ensuite, ça c'est pour une autre copine. C'est un petit bonnet avec un C. Et le petit bonhomme d'Erasmoquette. En fait, je trouvais la collection d'Erasmoquette tellement mignonne. Et je sais qu'elle aime trop. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Et en plus, je lui ai pris le sweat qui va avec le bonnet. Regardez comme il est adorable. Sa grosse tête là au milieu. Ça, c'est vraiment un sweat du dimanche. Je suis sûre qu'elle va être contente. Si t'es contente, mets un emoji fruit dans les commentaires. Et enfin, dernière pièce que j'ai prise, c'est un petit sweat. Il n'est pas adorable, sérieux. Je le trouve trop mignon. Ils sont tous là, ils sont joyeux. Non, franchement, il est super beau. En plus, il est grave oversize. En vrai, il est super grand et ma copine est super petite. Elle va disparaître dans ce sweat, c'est génial. Bon, il n'est pas très chaud, hein, mais il est trop mignon. Donc voilà, on en a terminé pour cette vidéo haul. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre pièce préférée et si vous commandez souvent ou pas du tout sur Romwe. D'ailleurs, j'ai un petit code promo pour vous que je vous mettrai pareil en barre d'infos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Ça vous prend quelques secondes et moi, ça me fait beaucoup plaisir. Bye !